Et relis pipi. On repart. Ah, t'as écrit re deux fois Sora pour Resident Evil 2? Badoumps. Ouais, je joue à re. C'est quoi? Bah, c'est re deux. Redos. Alors, j'étais poursuivi par plein d'emmerdeurs. J'ai un cube, mais pas deux. J'ai deux cubes. J'ai beaucoup de trucs qui m'attendent dehors. Ça, il faut le prendre, j'en ai plus. Ouais, 5 emplacements, ça devrait aller. J'ai plus de soins, ouais. Prends. Ah ouais, non, c'est même pas genre du. Ah ouais, voilà. Prends celui-là. Je la dépose. Ouais, j'ai 4 emplacements. Ok, a priori, j'ai tout avec. Non. Ok, il est pas loin. Il est vachement pas loin. Eh, ça va être bien rempli là. Y a plus personne. Ils sont passés où, wesh? C'est bizarre ça, non? La fenêtre qui se pète, je suis poursuivi par 2-3 mecs et tout. Ouais, le problème c'est que je vais avoir des liqueurs ou des conneries maintenant là. Ok. Ah non, tu vois, voilà, tu me mets un capitaine, oui. Dis-moi tout. Ouais. Ceux qui sont, j'imagine, bloqués parce qu'il n'y a pas d'électricité, quand je vais remettre l'électricité. Mais est-ce que peut-être, je dis bien, peut-être tu vas devoir ouvrir les cellules. Ouais, non, je pense que oui. Je vais devoir affronter toute cette merde. Non, Sora, c'est le pistolet ou le fusil de Tchekhov. Oh putain. Merde. Oh, j'ai tiré dans le vent. Un truc que tu peux pas, je crois. En vrai, dans la réalité, je serais. Ah non, contre Muster X, ça m'aurait gêné. Mais je serais allé prendre l'équipement du SWAT pour pas trop me faire mordre et le stuff. On dirait que Muster X a pas l'air de venir ici, mais je peux me tromper. Si, t'es venu dans la cinématique. Ok, ça s'ouvre pas. Quand je vais le faire. Mais il y a 10 zombies. J'ai une chose à prendre dans leur cellule, peut-être?
Non, je sens qu'il va venir m'attaquer, il faudra que j'ouvre et je me casse par là. Ouais, ça va être ça, je le sens. Je vois ça comme ça. Je peux me tromper de timeline. Oui? C'est quoi? Oh putain, d'accord. D'accord. Ok. Ah, des ouf. Ah mais c'est celui du haut qui m'intrigue, non? Ça doit être bon avec celui du haut ou non? Bah non, 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 ça m'aurait dit un truc. Il faut que je réfléchisse. Non, tu mens, tu mens, tu mens. Au bleu, il doit être hanté. Ok. Genre ça remonte. Dans ce cas-là, l'électricité. Ah d'accord, chacun s'occupe de son truc peut-être là. Non. D'accord. Ah les bleus, les deux étaient reliés par le bleu, quoi? Quoi? Ah, je suis perdu là. Ouais, le fil violet. C'est le fil violet seulement. D'accord. À droite du bleu vers le haut. La pièce rouge, à droite du bleu vers le haut. Soso s'en va en guerre. Mirantin, celle au-dessus du fil doit aller vers la gauche. Celle au-dessus du fil. Tu m'as pas dit du bleu, celle. Non, celle au-dessus là doit aller vers la gauche. D'accord, un truc comme ça, genre. Ok. Merci, Sora. Voilà, tout le Tikar va se réveiller. C'est vrai que j'ai plus le Oh. chlass. Après la rumeur, mène tout droit vers votre labo souterrain. Alors, est-ce que vous allez Labo.
Annette Birkin. Ah, c'est exactement ce qu'il a dit, ouais, ok. Ok, bon. Je me doute bien que ça va pas être aussi simple. Qu'est-ce qui sert? Note de Ben. Le commissariat est infesté de zombies, même si je peux entendre leur gémissement. Ce n'est pas des zombies que j'ai plus le plus peur. Nom de code Tyrant. L'arme biologique ultime, développée dans le bureau secret par ces enfoirés. Rien de penser que cette créature peut se balader dans les parages. Il y a des chances pour qu'on lui ait ordonné de tuer les témoins. On sait que le Tyrant, avant ce jour, il était déjà pas en liberté. Mais genre. Ok, c'était pas pour ouvrir les cellules donc. Oh, popo! C'est pas vrai. Allez-y, bouffez-moi. C'est rien, je préfère. Je suis mort. Game over. Bon. Vas-y, oui, bon appétit. Voilà, bon. Elle est bonne, hein. Elle est bonne, mais la pizza. Il en a rien à foutre. Ouh, ça m'a tiré dessus? C'est quoi ce bruit? Tu veux pas courir plus vite, mon ref? Mais ça, vous savez que le mur qu'il a pété, il aurait pu péter tous les murs Ça commence à bien faire. du commissariat. Hein. Déjà deux fois que je te sauve la peau. Alors comme ça, on compte les points? Écoute, ce n'est pas un jeu. J'espère qu'il n'y a pas un propos comme dans le à l'époque. Rien ne meurt ici, tu comprends? Dieu merci. Dans un film de Michael Bay où tout explose. Bon, elle avait mis du C4. Mais attends, si j'ai la carte et que t'avais du C4, pourquoi t'as pas explosé le grillage pour sortir? Après l'avoir écouté, fiche encore d'ici. On me dit quoi? Est-ce que je peux save ou non? Super. Qu'est-ce que tu veux me dire, Chris? Qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que tu as pu comprendre ou est-ce que j'en suis dans l'histoire? En vrai, ça serait le bon moment, là, vu qu'il est occupé, d'aller fouiller ce que je voulais fouiller, quoi, la salle des archives. Il me manquait un truc. Bibliothèque, ouais. Là, un peu de poudre. Là, je peux pas. C'est vrai que c'est que les sales cœurs. Oh, du chef, collection privée. Ouais, et à mon avis, t'as peut-être raison. C'est peut-être la run de Claire où, genre, tu découvres le truc avec les femmes. Ce qui est très malsain. Et si on ouvrait la grille? Non, jure. Et si on l'ouvrait pas? Ok. Attendez, je me tape une pareille. Chris, tu veux pas me dire? Tu as ce que tu voulais? Malheureusement, non.
Qu'est-ce que tu cherches exactement? Plus d'infos au sujet des gens à l'origine de tout ça. Va me pousser dans le vide et je vais mourir. Game over. On peut pas aller dans Gunsham Kendo? Non? On va devoir passer par cette armurerie. Ouais, est-ce qu'on peut se servir? Merci. Et l'ultra sereine quand même. Une coupe très lisse. Oh, lui aussi, il est sans. Oh, il pleut. Oh, non, du sang, ça me gêne pas, mais de l'eau. Ok, fouille bien, mon ref. Oh. Tu l'aimes pas, Ada? Toi, tu préfères Claire, toi. Hein? Dis-nous tout ça. Ah merde, ça prend plus de place. Et ça, je veux propriétaire. Ah, Jill. Kendo, j'imagine que tu as tes raisons de rester ici et je te fais confiance pour faire attention, mais si jamais les choses ne se passent pas comme tu l'espères, sais où me trouver, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Ah ouais? Bah on verra ça dans Resident Evil 3 alors. Non. Puis même, elle m'énerve là. Trop arrogante, trop Kendo. T'as pas une tête de jappe, Kendo, pour t'appeler Kendo. Je vais vous demander de baisser cette arme. Et puis toi encore. Tu vas te retourner et repartir gentiment d'où tu viens. Oh merde. Bébé zombie. Je crois que votre fille a besoin d'aide. Ne me dis pas ce dont ma fille a besoin. Posez ça. Non ! Arrêtez ! Écartez-vous. Il faut la supprimer avant qu'elle ne se transforme. La supprimer. C'est de ma fille qu'il s'agit. Ada, laisse-les tranquilles. Emma? Ça a dit, ça va être réglé dans quelques instants. Elle va lui sauter sur le cou, je le sens. Papa? Oui, c'est papa. Je suis là. D'accord? C'est ça le prix de l'or. Chris, il a pas dû aimer cette scène. T'es un flic. Tu sais sûrement quelque chose. Alors, comment c'est arrivé? Hein? Elle se transforme, elle le raille. C'était notre petit ange. Ou c'est maman qui va les railler. Maman fait dodo, ma fille. Ah, il l'a fumé, je pense. D'accord. Je vais bientôt être au lit aussi. Oh putain, ça veut dire il va la tuer. Emma. Partez. Laissez-nous un peu seuls. Il a tué maman, il va tuer la fille. Il va se tuer, j'imagine. Écoute, me cacher la vérité, c'est une chose. Mais pourquoi lui? Une balle. Il a tué la petite. Je veux savoir ce qui se passe ici. Oh. Et j'arrêterai les coupables. Aider des gens comme eux. Voilà pourquoi je me suis engagé. Ma mission est de mettre un terme aux opérations d'Umbrella. Pas sûr qu'on s'en sorte. Je suis prêt à tout pour sauver cette ville. Compte sur moi. Bah là frérot, dans 48 heures, ça sera fini au pipo. Putain, ça se trouve, j'ai mal fouillé. Ah, ça va. La pince ultime. Par contre, j'ai entendu qu'un tir. Kendo, il joue, mais il survivra.
Mais j'ai pas spécialement envie de jouer cette scène en fait. Comment ça, les survivants, mon ref? Ils ont survécu comment, tous ces gens? Faut que je fasse. Parce qu'il y a une bombe nucléaire qui tombe dans X temps. Tu connais Umbrella, n'est-ce pas? Cette société pharmaceutique développe secrètement des armes biologiques. Ils ont un virus. Ils transforment les gens en monstres indestructibles. Ça explique toutes les horreurs que j'ai vues. Oh, j'aime pas quand on descend là. Putain, je vais me faire croquer le cul par un croco. Voilà pourquoi je cherche Annette Birkin. On sait que c'est elle, Umbrella, qui a répandu le virus. Et je compte bien l'arrêter. Annette, assis-toi, faut que je te parle. Ah, il fallait que je mette le stick en avant, je comprenais pas. Passons par là pour retrouver Annette. Bah oui. Déjà en temps normal je passerai pas par là, mais alors dans une apocalypse zombie. Après toi. Après moi, bah ouais, merci. J'arrive pas à croire qu'une scientifique se terre ici. D'après le QG, ça mène droit aux installations secrètes d'Umbrella. À ce que je sache, les égouts sont gérés par la ville. Ils ont des installations sans que les autorités soient au courant. Attends, cousine, il y a deux routes. Umbrella contrôle Raccoon City depuis des années. Je peux pas dégainer une arme, non, pour me rassurer. Ok. Voilà, santé. C'est un tremblement de terre? J'aimerais tellement que ce soit ça. Ouf. Oh non. Ah bah non, ne dis pas que capitaine. T'active l'event Capitaine Crochet. Ah, j'ai oublié un truc parce que c'est en rouge derrière, c'est ça? Quand tu dis capitaine, le croco il va penser que je suis Capitaine Crochet et je vais mourir, ça. Putain, bien caché les balles. Hein. Ah, je regarde. Vas-y, capitaine, tu crois en moi? Tu m'avais dit quoi contre le Tyrant? Prends-toi, capitaine, parce que c'est toi, capitaine. J'ai plus. Oh, j'aurais dû mettre ça en station. J'ai fort en esquive. Dans un... Ok, game over. Putain, je peux pas save. Je crois très fort en toi. Va falloir croire beaucoup plus que ça, je pense, Sora. Ah là, va falloir believe, croire en nos rêves là. Depuis tout à l'heure, je porte l'autre truc, mais en vrai, j'ai pas trouvé. J'ai. Ouais. Ah, la clé, ça, je peux l'enlever. Putain. Chris, c'est pire, Chris, c'est genre, c'est un red flag. Ok, donc j'imagine qu'il va falloir que je fasse un croco qui va vouloir me croquer le cul. Ok. Pourquoi pas? J'ai pas save déjà? Je re-save au cas où. C'est jamais. Bon, allez. Croque ma jument. Elle est où, c'est l'autre connasse là? Elle m'attend là, hein. Le scénarium, encore une fois. Pouvoir du kiwi kabumi, pépon teibouit avec toi. Oh bah, c'est parti mon kiki. Attends, c'est rouge. Faut pas que je me dépêche. J'imagine genre une cinématique ou une connerie. Ah bah tiens. Et j'imagine que je vais devoir fuir, hein, vu ce que tu m'as dit. En gros, tu devais pas manger et tout devrait bien se passer. Ne cherche pas à te battre. Encore? Il y a encore temps de faire demi-tour, Léon. Sûrement pas. Faudra me supporter jusqu'au bout. Avec des talons maintenant que j'y pense. Allez.
It's Fiaki time. T'es sûr que c'est par là? Malheureusement. Malheureusement. Et si je restais en haut? Attends. Attends. Je vais bien lever la main comme si j'étais dans Jurassic Park et je vais retenir un raptor. Coco! C'est pas vrai. Putain, et ce Shrek, il va pas savoir courir. Oh, le conseil, merci. Ok. Putain de merde! Ouais, bah, c'est le cas de le dire dans les secours. J'ai senti son haleine. Après on nous dit des crocodiles dans les égouts c'est des légendes. Non, c'est, ça existe pour de vrai. En France ils en ont trouvé plusieurs fois à Paris. Bon, pas comme ça. Pas encore. Oh, ça c'est vraiment le scénario. Ah, fait que je tire. Non. Tire. Il y avait le décalage. Bon, on m'a dit de courir. Ah, je suis désolé. Oh, dommage, j'aurais pu le faire sans mort. Tire, bon sang. J'étais en train de parler, je pensais vraiment. Tire, bordel de merde. J'étais en train de lire vos trucs, moi. Moi, je pensais que c'était une cinématique. Je pensais, il croque et ça explose. Attends. Voilà, c'est là comme par hasard, maintenant que je sais qu'il faut tirer, je vais me faire fumer. Comment on saute? Pause, c'est ça. Non, pardon. Passer. Voilà. Ah, mais tranquille, allez ouf. Putain de merde! J'étais dentiste. Dégueulasse. Bon, t'es calmé, espèce de saloperie. Mais le truc de gaz qui passe au milieu des égouts, comme c'est vraiment le scénario. Allez, la petite dame. Léon, par ici. Hey, c'était quoi ça? Tais-toi et monte. Eh, hey, t'as raison de ouf. T'as raison de ouf, j'étais à quoi? C'est un immense truc de gaz quand même, j'étais là environ. On va dire que je suis à 5 mètres, non à 5 mètres t'es mort même, je pense. Un tuyau de gaz comme ça. Tais-toi et monte, tu es mort quand même, attendez comme un gosse. Pas de blague sur les sacs à main. Non, je pense à mes. J'ai beaucoup de sapeurs congolais qui me suivent, Fris. Je pourrais les vexer. T'as dit que ce virus transformait les gens en monstres, pas les reptiles. Oui. D'ailleurs, je suis impressionné que tu t'en sois sorti. Merci pour l'aide. Tiens, t'es pas abîmé, toi. Y'a pas de saleté, rien. On est pourtant passé par les égouts. Ne serait-ce que même quand il était en haut, là, quand le crocodile il m'a chargé, l'éclaboussure fait pas. Avant ce genre de monstre, à qui exactement? À notre armée? À quelqu'un d'autre? Ils ne vendent pas les monstres. Ils vendent des virus qui les créent. Et c'est Annette qui fabrique les virus. Cet alligator avait beau être terrifiant. Annette est bien plus d'autre chose. Ouais, sans... je t'avais prévenu, ouais. C'est la Hermione Granger de Raccoon City. Elle est trop belle. Chris, cette phrase elle est tellement sale quelque part. À chaque fois j'ai l'impression que c'est une mine, genre antipersonnelle, tu sais.
Mais avec le délai, ouais, le tir, tir, bon sang. Ça, c'est du William tout craché. Bah tiens. Hey, qui êtes-vous? Annette Birkin. C'est elle qu'on cherche? Pas assez. Il faut s'en débarrasser. Nous sommes là pour le virus G. Elle est grave sereine. Premier avertissement. Ah oui? Hey! Arrêtez! Vous n'aurez jamais le virus G! Je crois que je l'ai sous-estimé. Léon. T'en fais pas pour moi. Vas-y. Surtout, la laisse pas s'échapper. Son premier short. Bah oui, changeons-nous. Je suis à l'extérieur de l'installation, sur la trace d'Annette. Si elle ne l'a pas sur elle, alors ça doit être dans le nest. Par contre, elle et Jill, faut le voir comment ils l'ont mis dans le 3 cette fois-ci. C'est clairement du fan service, je suis désolé. Je ferai une demande d'extraction. Je dis pas, je veux dire, comme par hasard, lui il a une tenue de malade mentale, elle est comme ça, basique, genre. Elle est en mode, je sais pas, elle était en soirée quoi. Mais tu ne m'échapperas pas. Je vais toujours courir. Ah, j'ai que 9 balles. Ah ouais, non, je déteste cette phase aussi. Jill, elle a un pantalon dans l'armée du 3. Léon, filme-moi ton stuff, non? Connard. Nichel. Un ascenseur. Ça, c'est le chemin inverse, mais je peux pas, dommage. 9 balles, mais je suis mort! Ah, je vous disais, genre, Jill, elle revient, elle sait que c'est l'enfer, l'apocalypse sur Terre, elle vient en jupe basique, normale, alors qu'elle sait à quoi elle s'attend. Elle, peut-être, on va dire, elle s'y attendait moins, mais elle s'y attendait quand même, elle savait exactement ce qui se passe depuis le départ. Elle est en mode robe. Alors, ok, c'est du fanservice, moi. Je dis pas qu'elle doit venir en tenue de SWAT, mais genre, je... tu vois. C'est l'heure de mon arme secrète. Voilà, en robe avec... C'est exactement ça. Ah, et ça active l'ascenseur, excusez-moi. Je vais la détester cette phase aussi. Non, je me cours. Qu'est-ce que puissance est foutre? Un vrai jeu d'enfant. Vas-y, l'assista. Putain, 9 balles. C'est clairement pas ma game. Des cafards. Ouais, 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 ça par exemple, c'est le truc qui prouve qu'elle aurait pas dû s'habiller comme elle est habillée là maintenant. De n'utiliser que cette arme. Comment je suis censé me taper contre les pseudo-zombies que je vais rencontrer? Ah mais tu sais que c'est l'enfer sur Terre, Chris, je sais pas comment expliquer. Genre tu sais que c'est l'enfer sur Terre, tu peux pas... C'est-à-dire que je vais esquiver des zombies. Après je m'en fous des succès. Mais... tu vois.
T'as posté une demande la semaine dernière, mais on a besoin d'avancer l'identification de rechange. Ok. Ah, le pull autour de sa taille. Oh putain. On dit radio au succès. Ah, je peux même pas remonter. Comment je suis censé. Ah! D'accord. Merde, je suis mort. Voilà, j'ai voulu faire un succès, je me suis mis dans la merde. J'aurais dû le faire avant de descendre. Allez, raille-moi une deuxième fois. Bien sûr, elle a pas assez de force. En danger. Tout ça pour un putain de succès de merde. Déjà dans la mer. Attends, réfléchis. Est-ce qu'il y a des choses à activer? Il y a un truc là qui va me faire chier. Non, pas. Franchement, respect aux gens qui vont pas avoir le game over que je vais avoir dans quelques instants. Ce qui fait que je vais me retaper tout le truc. Demain, si t'arrives un truc comme le truc du manoir, je t'assure, dans les jours qui suivent, tu t'habilles pas en. Ok, game over. Ouais. Finito pipo. Ah! Oh, c'est bien violent. Ouais, moi aussi j'ai faim. Vous êtes mort, continuez. Allez, fuck le succès. Merde, oui, c'est vrai. Allez, oh là là. C'est l'heure de mon arme secrète. Respect pour ceux qui ont fait le succès. Non, en vrai, cette histoire, franchement, on saura, je vais te dire. Imaginons qu'elle devait aller à la mairie de Raccoon City pour une soirée, un gala, de je sais pas quoi, elle s'infiltrait, elle savait pas que ça allait exploser maintenant, et boum, dans le même soir il se passe le truc, pourquoi pas. Mais là, non. 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 Là par exemple, il y a des cafards, imagine il y aurait eu des serpents, elle se fait écraser par un serpent, c'est fini. C'est une fringue qui l'aurait tué quoi. Et Jill, genre, après ce qu'elle a vécu normalement, non. C'est pas là que j'aurais mis un coup sur Ada. Le Boff Institute vous présente Chris Pixel dans le film qui a bouleversé l'Amérique. Je suis un beauf. Oh le bâtard. Et les mecs ils ont fait. Pourquoi tout à l'heure tu m'as pas fait ça? Vas-y, fuck le succès. Fuck le succès, fuck le succès. Oh yeah. Ah, elle tue avec deux balles, elle, par contre. Ok, ça doit être l'effet de la robe, je pense. Ça augmente les stats. Ah ouais, deux bastos. Toi, viens, il faut que je te zbip avant que tu me zbip. Voilà. Pourquoi attends, genre c'est l'expérience, genre elle vise bien et c'est pour ça c'est. Ah, pas 2. 3. 4. Ah, ça y est, j'ai parlé, elle s'est léonisée. Mets-en une au cas où. Ah. Mais attends, j'ai eu l'heure de critique ou quoi? Ah, c'est, elle a fait. Ouais, non, c'est vrai, Léon il a raison. Waouh! C'est une dinguerie!
Ah ouais, Roger, il... Putain, j'ai ici... Ah, c'est mort. Roger, il m'a tué ma game. Le succès a tué ma game précédente. Roger a tué ce succès. J'aurais dû laisser Roger tranquille. Il y en a un autre qui va se réveiller sur la droite. Non, la gauche. Voilà. Janine. Janine, tu tankes pas, Janine. Janine. Peut-être faut que je laisse le truc charger. Janine. Ah, là j'ai raté par contre, ouais. Oh, Janine. C'est ma dernière balle, Janine. Connasse de Janine de merde. Janine, c'est toute déconne. Eh bien. Ouais, par ici. Bien. Comment je vais te semer? Tu m'étonnes d'avoir détesté cette phase, Sora. D'accord, cette affirmation. T'as travaillé avec une Janine, toi, ça se voit. Pourquoi les autres ils sont morts en deux balles et ensuite t'as fait scénario? Comment je vais te semer, Janine? Janine, elle sait où je suis en plus. Hein. C'est une dinguerie. Comment les mecs ils ont fait, genre, c'est-à-dire ils ont évité tout le monde. La pine de mon père est une. Oh, pardon, Sora. Oh, Sora, je suis désolé. La belle dodge. Sora, elle va ouvrir sa chambre, elle va voir sa belle-mère, elle va faire Janine. Bah c'est chiant. Ok. 1, 2, 3. Hop là. Et là, respect aux gens qui ont réussi à faire le succès où ils utilisent pas le gun. Hein. Parce que t'as pas de couteau. Y'a cette connasse, elle connaît la route par cœur. Hein. Obligé, j'en ai un autre au bout, je vais mourir. Ça s'est passé par où là? Y'a pas de chemin, mon ref. On sait faire quoi? Là, je vais être dans un cul-de-sac bientôt. Oh putain. Ah, c'est vraiment. D'accord, ok. C'est-à-dire en plus, j'aurais pu laisser Janine et Roger tranquille en fait. Bon, ouais, bah si, plus de. Ouais, bah, putain, il manquait plus que Jean-Luc. Jean-Luc, t'es pas mort? Bah non. Bah non, Jean-Luc. Jean-Luc, c'est la rue, la vraie. Oh. Jean-Luc, 2. Non, c'était dans le coup, d'accord. Je l'admets, Jean-Luc. J'ai mal visé. Attends, Jean-Luc. Pas de free hugs. Dépêche-toi, Janine arrive, s'il te plaît. Et il fait tes mains, il fait genre oh, je tape un petit somme. Ah non, il tape vraiment un petit. Pardon, Jean-Luc. C'est pas bien, Jean-Luc de la rue, il est mort, mesquine. Janine. Les Janines sont des connasses. Je devrais pas dire ça par rapport à ce que m'a dit Sora. C'était pas la dernière. Putain. Sora, vous allez vous battre comme ça pour l'héritage, hein. Sois prévenu. Chris, je sais que t'as rigolé, même si tu vas pas. Ça sera comme ça, hein. Faudra genre. Ok, vas-y, Sora, prends l'héritage. Eh ben non! Sora, ma pauvre. Ce que je te fais subir. C'est-à-dire, fin, il fallait éviter tout le monde, et ensuite, il y aura des connards qui vont pop, et j'ai plus que 2 balles. Ça veut dire capitaine, qu'est-ce qu'il raconte? Alors le connard qui est tombé du ciel, Jean-Luc, là, il m'a épaté quand même. C'était spécial. Oh, Annette. Je te tiens maintenant. T'es mal, elle est normale. On dirait qu'elle allait acheter des clopes.
Annette, elle est... Ah ouais! Mais là, en vrai, j'aurais économisé, j'aurais eu 30 balles. Là, j'ai plus que 2 balles et une grenade. Vas-y Maros. Vas-y Maros. Putain de merde. Adieu. Pas le temps de tirer. Je m'attendais pas à un game over comme ça. Est-ce que je peux lancer? Non, même pas. C'est fini. Adieu. Il faisait quoi là? Comment je suis censé faire quoi là en fait? C'est une vraie question. Là, merde, j'ai pas utilisé son pistolet de merde, j'imagine. C'était ça? Oh non, je vais me sentir trop bête. Là, je suis mort là. Je suis plus là. C'est pas moi. Oh, je peux pas repartir. Ah, je suis mort. J'étais censé foutre quoi? J'étais censé aller me faire foutre, d'accord. Je le saurai dans l'autre vie. Et je suis mort. Je sais même pas comment tu l'esquives dans un endroit comme ça. Putain, je vais me retaper toute la route. Passer en mode fan. Allez vous faire. Ah, merci. Ok, on va tricher. On peut pas tricher. Je te tiens maintenant. Tu t'étales toujours aussi vite, Annette. Je dois le reconnaître. Sorache, je m'attendais pas à taffer pour EDF. Je suis morte. Vas-y, ma sœur. Merde. 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 Non. Aïe. Ok, il y a un truc là. Ok, qu'est-ce que je dois foutre? En vrai, dans la réalité, je serais mort. Parce que j'aurais jamais eu le temps de réfléchir avec un truc comme ça. Mon ref. Je veux pas sortir là. J'avoue, je lui mets un camion de soie dans sa daronne. Comment je suis censé le gérer? Ouais, il existe le truc où je lui balance une nails et ensuite je meurs. Je balance une nails, je active l'autre merde et je vois ce qui se passe. Ouais, je me suis pas niqué moi-même là. Je suis pas là. Oh merde! Moi aussi je comprends pas, mon ref. Face aujourd'hui? Oh waouh! Oh waouh! Oh, en finesse, la petite! Cours! Alors là, je suis impressionné! T'as y'a rien à loot? Avant qu'il descende du ciel comme un petit papa Noël? Non. Là, propre hein!
Ah ouais, si le jeu te dit sauvegarde, c'est que ça pue. Ah franchement, la pôle artiste. Alors ça, je peux pas passer, j'imagine. Pas d'électricité. Et il y a des Janine qui m'attendent dans ce monde d'enfoirés. Chris, est-ce qu'il y a un prénom que t'aimes pas? Pas que t'aimes pas, mais genre, t'es tombé que, genre, je sais pas, les Mathieu, c'est que des connards, tu vois. Nos bracelets. Il y a un truc dans l'incinérateur, j'ai pas envie de t'activer tout de suite, toi. Ok, vas-y. Mais y'a rien, il faut que je t'active quand le truc est jaune, c'est ça? Ouais. Non. Moi j'aime pas les chines, moi. Sora, c'est quoi le prénom de connasse? Par excellence. Oh non, j'ai pas de balles. Oui, pipi, je vais me réveiller et te t'adouer pour les popos. Voilà, je vais me faire incinérer le fiac. Bien joué, adieu. C'était la mauvaise timeline. J'aurais dû faire un truc. Vite. Vous allez me brûler, c'est ça? Hors de question, vous touchiez au virus G. Je pourrais pas faire. La seule à le vouloir. Vous le savez. Alors d'autres mourront. Mais je t'en sais plus de quoi. 59. Oui? Non? Mais le jeu se fout de ma gueule? Eh merde, le temps que vous m'expliquiez, je serais mort, c'est ça. Ah, ça, non, ça marche. Faire n'importe quoi, je pense. Ouais. J'aurais dû activer d'autres trucs d'abord. Je pense que je suis mort, Sora. Oh mon dieu. 5. Sora, tu vois, c'est parce que t'as cru fort en moi. Accès visiteur confirmé. Votre bracelet est valide jusqu'au 1er octobre. Ça me ramène là où elle m'a assommé. Ça risque pas. Je regardais, je sais qu'il n'y avait pas d'objet, mais on sait jamais, peut-être rien, texte ou une connerie. La Crary, elle se rappelle où elle doit aller chercher Léon? Ah, regardez la robe comme ça, pff, n'importe quoi, tu peux même pas courir, ça se voit. Les collants en talons, non, enfin. Annette, au lieu d'attendre, non. On va attendre ici, au lieu de nous incinérer. Ça suffit! De jouer au chat et à la souris. La partie est finie. Vous avez perdu. Elle joue au jeu que je faisais, elle a compté tel méchant. Dites-moi. Votre mari est encore vivant? Allez, grave sérénade. Ou vous l'avez tué pour vous attribuer le mérite du virus. Théorie intéressante. Oh oh. Si vous ne coopérez pas, j'obtiendrai un échantillon du Nest. Il faudra d'abord me tuer. Ah ouais, Annette, il en fait plus folle qu'avant. Ouchi. Salut Mia. Voilà. Bon là je pense que même... Quoique si elle avait un jean peut-être elle aurait moins mal. Je sais pas. Ah bah merci.
Allez, on piche, on piche. Dix-neuf heures plus tard. Ada? Merde. Merde. En vrai, je veux bien y croire hein, de faire l'autre truc, mais je sais pas comment t'évites les gens. Si tu peux utiliser la grenade, je vois bien comment tu gères. Où es-tu? Mais sinon, je vois pas. Je devrais peut-être save pour pas tout me retaper, la veste. Non. Lui, la porte, elle va. Non, l'ascenseur va marcher, j'imagine. Ouais. Je vérifie quand même. Genre, je peux pas aller là où elle était. Non, parce que l'échelle est pétée. Ok. Valeur d'utiliser la grenade. Ah ouais, donc fou, tu dois taper là les esquives. En vrai, c'est possible. Tu réveilles pas Roger, tu réveilles pas Janine. Et le premier, il peut ne pas te suivre. Si tu suis pas, en vrai, t'as juste à éviter un mec. Enfin, juste, je sais que moi j'y arriverai pas. Mais ça reste potable. C'est juste un zombie à éviter, quoi. Mister X, après, si tu gères, ça doit être fin 2-2. Et voilà. Je peux descendre, mais non. Je sais qu'il n'y a rien à loot, mais toujours, je vérifie. Eh, j'ai oublié une autre chose, mais Ada, elle est allée là-dedans. Alors, je pense que c'est pas bon pour Léon aussi, de marcher dans la merde, littéralement. Mais je crois que quand il y est, genre avec les pores de ta peau, c'est pire. En gros, tu peux te choper des maladies. Des choses, mais je sais pas du tout. On est sur quel risque d'infection. Est-ce que tu risques genre de choper genre une grosse chiasse, façon de parler, ou est-ce que tu genre tu risques de choper vraiment une maladie mortelle ou autre, je ne sais point. Un bout de tissu. Et des lucioles, des papillons. Ça existe pas ça. Dans les égouts j'entends, j'ai par là. Ok, j'imagine que je vais aller à droite. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui m'attend? C'est le bruit de quoi? Un zombie qui est sous l'eau et que je vois pas? Non, il peut pas parler sous. Un liqueurs? Un chien? Un crocodile? Vu le labo proximité, ouais, je pense que tu meurs. Hein. On est bien d'accord. Vu toutes les chiasses qu'ils ont dû mettre, je pense que c'est fini. Hein. Mais je m'y connais pas. Est-ce que si demain je suis... Bon, je porte pas de robe. Mais si demain j'étais comme Ada, genre en gros j'ai les jambes à découvert, est-ce que je meurs? Relève-toi s'il te plaît. Il me met des esquives. Ah, dommage. Il se relève vite. Oh, il nage. Non. Ils encaissent tellement dans cette version, c'est un truc de malade. Ah, moi aussi j'ai raté deux fois. 3, 4. Ah, mais moi aussi je perds des balles.
Ouf. Tu vois, j'aurais pris son stuff. Cette vidéo USS. Nests Winkler. Quoi? Nest Winkler? C'est vrai que j'ai pas de chasse. Nest Waker, destructeur de nid. Il y a une dégaine à se lever celui-là et à m'attaquer. De Hunk qui s'est fait fumer par William Birkin, si mes souvenirs sont bons. Ok, il faut une clé. Oh non, t'as fait un gargouille, mon pote. D'accord. On est d'accord qu'il a fait un gargouillis quand même. Tu vas te lever quand je... Oh, il y en a un au bout de la route. J'ai besoin d'électronique, ouais. Ça m'empêche de passer. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais j'imagine que je dois l'utiliser quelque part. D'accord, donc je vais remettre le truc. Étant idiot, je vais quand même essayer de voir si le composant marche pas là. Alors je sais très bien que c'est pas le cas. Mais dans les choses comme ça, j'ai toujours des trucs idiots comme ça. D'accord. Donc il y a un moment où quand j'aurai les autres trucs, faudra que je le prenne avec moi pour faire autre chose ailleurs. Billy Bob! Je me demande il serait passé quoi si j'avais mis le truc. Je peux le faire. Je suis curieux, tu vois. J'aime beaucoup Léon. Ouais, de ouf. Hein. Ça l'écrase pas, genre. J'ai pas fait gaffe, dommage. Frérot, je te fais un petit parcours de vie. J'ai pas envie de te tirer dans l'autre jambe, mais désolé. Ah voilà. Quoi? Tu m'as tiré sur quoi là? C'est peut-être moi qui tire pas assez bien dans la tête. Peut-être que je tire trop dans le bas de la tête et pas assez dans le haut de la tête. Non, ça rigolait. Hein. La même clé de merde. Longtemps, c'est vrai que j'ai laissé un flas au commissariat. Je fais une offrande. Et là, ouais, je suis censé aller là où il y a Ada, genre. En vrai, dans la même situation, je pense que j'aurais tellement juré. J'aurais dit beaucoup de gros mots, hein. Non, j'ai pas l'air de devoir aller là-bas. Ça... Ok, j'ai rien dit. Merde. Là je pense déjà c'est petit semi elle est là. Là je suis pas du tout allé, on va bien fouiller avant de venir là. J'ai changé d'avis. Ah oh, bah j'aurais fait la même Sora, je te rassure. Hein. Genre le truc. Ah mais non il y avait Mr. X. Oublie. Mais sans Mr. X ouais, je serais clairement resté au même endroit. Par contre, c'est nouveau ça. Ça va pas. Non, parce qu'il me faut une valve ou une connerie, j'imagine, ouais. Trou pour barre en T. Ok.
Ah, le problème, c'est moi, je voulais pas aller dans un tunnel hanté, mon ref. Non, il y a un truc qui va être sous l'eau et qui va m'attraper, mais que je ne peux pas voir. Attends, alors ça, ça peut faire plein de balles de pompe, si je comprends bien. Ouais, mon karaté. C'est pas de juger les gens sur leur physique. Ouais, je fais de la discrimination. Bah. Qu'est-ce que tu veux que je discrimine? En vrai, j'aurais mis un truc sous le truc. Comme ça, je l'aurais poussé avec mon pied. Et j'aurais su sur quoi je serais chié. C'est quoi qu'il faut que je tire dans la grosse tumeur là? C'est pas William. Willy? C'est quoi ça? Ah, tu balances des projectiles? Non. Tu balances des petites merdes! Je veux pas de Goa'uld, mon ref. Ah putain, il va m'avoir. C'est pas Hunter, ça. Ah non, faut qu'il ouvre bien sa grosse tête, là. Ah ouais, ça je m'en rappelle pas du tout, par exemple. Je sais pas, je vais foncer pour de quoi. Je vais mourir. Et ça va être dégueulasse. T'es pas mort. T'en passes de l'autre côté avant qu'ils se réveillent, s'ils se réveillent. Même une belle feinte. Ça se tue pas? Est-ce que je suis en train de perdre mes balles? Il m'a vomi tout l'alphabet, l'enfoiré. Je suis mort. Si ça se tue, ok. J'ai perdu tellement de balles. Ouais, bah, les virus et bois, ils sont vénères, ma soeur. Merde, aussi, si je tire dans le mur. Non, là, il y a une braille de piac. Et je suis mort. Tire, non. Putain, il m'en a bouffé des balles. Non, tais-toi. Oh, je suis mort. Il est mort. Ouf. Oh merde, la progéniture immédiate du patient du rocket tombé en deux. Attends, la seule chose qui t'intrigue, c'est qu'il soit moche. Regarde parce que c'est rouge, peut-être j'ai raté un truc. Qui dit progéniture dit Simbad a pas assez de munitions pour la suite. Sora, s'ils étaient beaux, ça passerait pas pour moi, je serais pas en mode vas-y hein.
T'as pas le coup, mon frérot, tu vois. Pourtant, on dirait bien que j'ai raté un truc. Est-ce que c'est dans cette partie-là que j'aurais raté le truc, peut-être? Ou là-bas? Étrange. C'est-à-dire, William, il va m'attendre et me manger. Ok, et ça, j'imagine que non, je peux pas. Téléphérique. Il aurait dû porter le magnum sur moi. Funiculaire. Oh, qui utilise ce mot? Funiculaire. On va se faire funiculer, les amis. Ah non, pas encore. Parce que bien sûr, il va pas sauter en dessous pour prendre l'objet dont j'ai besoin. La barre hantée. Tu veux pas mettre un peu de la lumière? Ouais, voilà. Directeur Owens, des alarmes se sont déclenchées dans tout le nest. Je ne sais pas ce qui arrive, mais j'entends des tirs et j'arrive pas à joindre mon chef de section. On est pris au piège, envoyez de l'aide au plus vite. La situation ici est désespérée. Le nest a été contaminé par le virus, c'est incroyable. Le système de sécurité ne s'est pas activé. Il a été installé par des sous-traitants? Je suppose que... déjà à l'époque. Mais pourquoi? Meyer et Kim sont morts. Je n'arrête pas de tousser. Pourquoi vous ne répondez pas, directeur Owens? Vous, c'était vous depuis le début. Où est-elle passée? Qui? Ada? C'est pas là où elle est tombée. Donc elle est tombée derrière? Non. Par là alors. Ok, d'ici il peut pas la voir, mais je me demande si elle crie à l'entendre. En même temps, qui crierait dans un monde de zombies? Non, 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 non! Oh merde. Non, ça c'est le tuto. DCM, ouais mais non ça c'est fait. Non j'imagine que j'ai pas dû encore rencontrer le truc. Ok. Je vais en essayer un une fois. Pig, non vas-y je t'ai oublié. En général ils ont fait sans voyelle des fois. En vrai, dans la réalité, j'aurais fait ça, je pense. Bah attends, il va faire... Ouais, voilà, genre, ne meurs pas. Ah! J'aime pas ce bruit. Oh putain, c'est William, mais j'ai pas mon... J'ai pas de mumu. Non, c'est pas William. Si. Mais j'ai pas assez de balles. Et j'ai pas le... J'ai pas le magnum. Mais là, elle est pas en face de lui normalement. Ah oui, voilà. Ada. J'arrive, Ada. Sauvez Ada. Respect quand même, hein. Ouais, le jeu, il m'a dit, tu veux pas prendre un magnum, mon ref? C'est def. Ah, dommage, ça aura. Brochure Société des Égouts, merci pour l'intérêt que vous portez à Night Construction Company. Au cours des 20 dernières années, nous avons eu l'honneur de travailler pour le système d'évacuation de Paris, sans jamais perdre de vue nos deux principes fondateurs que sont le design et l'aspect ludique. Parce que quand tu fais des égouts, tu fais des aspects ludiques, putain. Chez KFC, nous pensons que le fait que notre poulet soit élevé dans un souterrain n'empêche pas notre niveau de qualité de dépasser les attentes. Plus raffiné qu'un poulet braisé, plus perfectionné qu'une cuisse,
et aussi plaisant qu'un seau rempli, notre travail garantit la victoire à nos clients. Dans l'espoir de vous rencontrer, Herb Fischer. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a un grand joueur qui s'appelle Fischer d'échecs. Mais je pense pas que... non. Oui, les égouts vont devenir un parc aquatique. Oh la chiasse. D'où ça? Patrick. Kirk Patrick. Son pote s'est fait arracher et là le virus tombe et ouais, c'est comme ça qu'il y a eu l'infection en fait. Ça doit être juste un clin d'œil, je pense. Mais c'est comme ça qu'il y a eu l'infection. C'est quand ils ont essayé de tuer Birkin. En fait, ils l'ont tué, on va dire, mais Birkin s'est infecté. Là, il s'est foutu le virus G. Et il est revenu en mode coucou. Et là, c'était pas trop la forme, quoi. Je sais pas comment vous le dire. Je vais le prendre parce que j'ai peut-être pas assez pour le boss. Déposer, ouais. Attends, finalement. Je fais un peu de bêtises. Et c'est comme ça que c'est parti en cacahuète en fait. C'est quelque part réellement un accident. Mais et que voulez-vous? Je sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser le Magnum en vrai de vrai. Mais je voudrais pas me foutre dans une situation où j'ai plus de balles et je sais pas comment je fais. Après c'est peut-être comme tout à l'heure, j'aurai des munitions qui seront octroyées dans le lieu. Ouais, c'est peut-être mieux qu'à garder des égouts. Je vais bien niveau plante. Ouais, pas autant que Resident Evil 1er. Et en mode coucou, j'ai une conjonctivite au bras, vous inquiétez pas. Ah ouais, bah là il a fait. Ouais, non, c'est exactement ça. Il dit vous inquiétez pas, ça se transmet pas. Hors contexte, ma phrase. Hors contexte, on dirait Gilles du crack, ça. Et genre, bah, ma petite dame, ou les petits papes, un petit verre. Alors il y a plusieurs routes ou... Ah bah oui, il va falloir mettre des plugins dans tous les plingingis sur la zone U. Ah bah oui, c'est pour ça, forcément, on s'amuse chez Night Company. C'est moi qui... t'es mal, l'autre. J'ai perdu le truc qui expliquait comment ouvrir la porte. Je sais qu'il faut brancher une prise dans chaque terminal. Théma, le mec, il sait plus. C'est-à-dire, il y a des mecs, sûrement, le mec qui terminait le taf, il pouvait pas rentrer chez lui bosser. Enfin, dormir, plutôt. Sans que la tour et le cavalier sont sur le même mur et que le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre aussi. Oui, mais il me faut 4 trucs. Et donc, il faut que j'ai une manière d'aller chercher le quatrième truc. Ada, c'est mort, elle va se vider de son sang. Attends. Autant se préparer psychologiquement. La tour et les cavaliers sur le même mur. Et le fou et la reine ne sont pas côte à côte. Ah mais je sais pas, ça c'est quoi? C'est un composant électrique, oui. Mais c'est quoi? Plugin. D'accord, ça c'est un pion. Ah merde, sur la page, j'avais pas fait gaffe. Ça c'est un pion, ça c'est un cavalier. Ah je dois deviner qui est qui en plus. D'accord, ça c'est un cavalier. Est-ce que je dois pas mettre le cavalier chez le cavalier peut-être? Non. Répète. La tour et le cavalier sont sur le même mur. Et le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient en face de l'autre aussi. Ça c'est un composant. Ah non! Attendez. Faut que j'examine. Ouais. Et j'ai pas examiné l'autre.
Mais je vais devoir aller la chercher, quoi qu'il se passe. Ok, ok, ok. La tour et le cavalier sont sur le même mur. Bon, là, il y a littéralement ça. Donc la tour et le cavalier sont là. La tour, c'est l'une des deux autres. La tour et le cavalier sont sur les murs. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre. Donc, si je trouve la tour qui est à côté du cavalier, je trouve la reine qui est de l'autre côté. Mais comme le cavalier est là, elle est... Donc, ouais, c'est là. Parce que comme le cavalier est là, il a dit que la tour est à côté. Il semble que la tour et le cavalier sont sur le même mur. Et le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre. Pas mal, Chris. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre. Mais la reine et le fou ne sont pas côte à côte. Le problème, c'est que c'est pas possible leur histoire. Parce que si... Donc c'est... Non. Ouais, mais si je te mets là, il y a le pion en face. Ce qui ne tient pas la route. Le fou. Bon, parle-moi du fou. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient en face l'une de l'autre. C'est-à-dire, de ce côté-là, il y a trois choses. Voilà. Et ça voudrait dire que le tour est là. Voilà, le tour et le cavalier sont sur le même truc. Et la reine, elle est au milieu. Qui a eu l'idée de faire ça? Ouais, non, mais exactement. Donc la reine, elle serait là. Je pense. Mais je peux me tromper. Parce qu'en fait, si tu mets le truc, t'as l'impression que le fou n'est pas forcément sur le même truc, mais... Ok, le problème c'est, est-ce que Birkin il va m'attaquer avant que je fouille ou non? Oh, non, alors lire, réfléchir dans un truc à répélo, non. Ah bah bonne nuit Chris. Non mais là obligé, il y avait un collègue qui a dû rester coincé des jours. Non, peut-être pas des jours quand même, mais... Alors la plante dans les égouts, je dis pas que c'est impossible. Ouais, ça m'ouvre une porte que je pouvais pas ouvrir. Le funiculaire, ah, j'imagine. L'identification requise pour le funiculaire. C'est la couze. Oh, l'électricité m'a mis un coup de pression. Bonne nuit, Chris. Funiculaire. L'article ci-dessus a été livré sur le lieu d'un coffre résistant à la chaleur. La combinaison est tirée sur le côté du coffre à la craie. Sur le côté du coffre. À la craie. Il est où le coffre? Coffre, hein, il faut trouver un coffre résistant à la chaleur côté du coffre à la craie. Après Chris il part, mais ça dirait quelle heure. J'avoue, il m'a mis un doute. Vas-y, je continue encore une demi-heure. On reprend la route, les enfants. Qu'est-ce qui peut bien m'attendre? Un zombie. Viens, mon ref. Je t'ai pas tué tout à l'heure, je crois, là, aussi. Bordel. Merde.
J'avoue, il jure beaucoup. Par contre, si je retombe encore sur un truc, un monstre géant. Ah ouais. Je vois où je suis, dans les égouts. Enfin oui, je sais que je suis dans les égouts, mais je veux dire à côté de là où j'étais tout à l'heure. Quand j'avais battu le monstre qui m'a pris trop de munitions. Ouh, tu... Merde. Tu m'as mis un run ? Putain de merde. Deux balles, je miss. Ok, lui va se réveiller me faire chier. Ça c'est bien ça. Mais lui je le voyais je crois. Ouais voilà. Ça c'était de l'autre côté du truc où j'étais bloqué, donc je peux repartir en arrière j'imagine. Est-ce qu'il n'y a pas une seconde merde qui va venir m'agresser? Mon ref, debout. Ça se voit, il y avait un mec qui était bloqué ici, il est mort. Ah non, une balle ? Non, le bruit. Le bruit m'a... Non. Le bruit m'a mis les doutes sur ma propre existence, je sais pas comment m'expliquer. Donc là, je peux repartir en arrière, mon charge de l'atelier. Trou, on partait, ouais. Ok. Non, le bruit, il était abominable. J'ose même pas aller là à cause du bruit. Bonne nuit, Pépito. Faites de beaux rêves. Ah, je peux l'utiliser. Attends, mais est-ce que ça me le rend? Oui. C'est temporaire, non? On met une cinématique du suspense, là? Je sais pas où je vais, et je sais pas je vais activer quoi. Ouh, la salle du caca! Une échelle, mais j'ai pas envie d'aller me faire voir. Des clés. Sora. Ça, je peux pas l'ouvrir, ou du moins pas de ce côté. Les lucioles que j'avais vues. Ça, je reviendrai plus tard. Je vais aller voir l'autre salle. Mais ça, là, ça pue. Genre, il y a genre facile 5 zombies. Un dans la lumière. Un autre là. Un autre vers la porte. Ouais, Sora, je te comprends. Dans l'eau, tu as... Oh, putain! C'est ce genre de truc, tu veux dire, que j'aurais? Dans l'eau? Ou c'était un objet qu'il fallait que je trouve dans l'eau? Ah, c'était ça, d'accord. Tu peux monter? Ouais, je te jure, du beau magnum.
Attends, l'autre route là que je t'ai montré, celle où je les ai pas allés. Oh, 2 balles. Non, ah non, c'était trop beau. J'allais dire 2 balles de magnum, je vais me marier avec un magnum. Non, si, c'est quoi ça? Soit t'es en train de me dire depuis tout à l'heure j'ai perdu plein de balles pour rien? Ou c'est le magnum qui est juste trop fort? Ou il me met une feinte, c'était ce qu'on... Merci. Ouais. Je reste ici. Hein. Dans la réalité, je sais que j'aurais fait ça. J'aurais pas pris de risque. Je te jure, j'aurais même poussé des trucs. J'aurais fait trop de trucs. Ouais, mon ref, est-ce que tu peux hip-hop? Tu vois, sur le côté, au niveau des épaules, ils ont une coque qui est au point faible. Ok. Sur le côté gauche. Ouais, le petit bras cassé là. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Ce bout de brune. Le gros truc qui a l'air résistance. Non! Mais non! Je pensais que c'était genre une coquille super résistante. Ah, je te jure, je pensais que c'était une partie genre trop dure. Putain! Si j'avais su. Ah, ça change tellement de choses! T'inquiète. Mais ça change tellement la donne! Moi, je pensais au contraire, c'était la partie la plus dure, tu sais. Le bruit, c'est chier dessus. Il me faudra un badge. Le badge des stars. Ah, j'imagine que je vais retourner maintenant. La tour. Il va falloir faire demi-tour. Là, est-ce que je peux... T'étais là, toi? Merde, ils vont se réveiller, mais je peux pas faire demi-tour par là pour le comico, j'imagine. Donc là, il faut que je fasse tout le tour et je repasse dans l'eau. Et je peux pas save. Je ne peux pas save. Le problème, c'est que dans la flotte, Dieu sait ce qui m'attend. Tiens, j'ai même pas vu ça. J'ai définitivement raté un truc, mais je ne saurais quoi. Il va y avoir encore un nouveau Poop Boy qui va apparaître.
Ah non, ça je peux pas remonter. Cacaboy, cacaboy, j'ai raté un truc dans la flotte. J'ai définitivement raté un truc, mais quoi? Sora, t'as une idée? Ça me met le truc en rouge, tu sais. Peut-être au tout début, je cherche pas mieux. Zone marron, les cul-de-sac. Cul-de-sac ici, je pense que j'y suis pas allé. Et voilà. Faut que je retraverse le pont, mais là ça m'a l'air d'aller, donc il devait se passer un truc. J'ai essayé. D'accord. Qui ne tente rien. Attends, attends. Oh, je vais juste save. Ok, vas-y, je t'attends. Ah oui, à la craie. Très bien vu, Sora. 2 gauche, 12, 8. 2, 12, 8. Putain, heureusement, il y en a qui lisent ici. 2 à gauche. Non, perdu. Merde, j'ai fait 3. Mince. Parce qu'en fait, le stick, c'est l'inverse. 2. 12. Merde, j'ai fait 9. Ok, ils ont dit non, ça passe. Ok. Tiens, frérot. Deux à gauche, je vais faire 3 à droite. De ouf. Ils ont fait, tiens, frère. Tiens, prends, prends. Bon allez, ça passe. Le jeu, il m'a dit ça. Il m'a dit c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, allez. C'est bon, je veux... Ouais. Hein, on va pas faire trop de chichi. On se comprend. Il y avait un coffre que je devrais ouvrir quelque part. Mais où mon coffre? Où est le coffre que j'ai vu et j'ai pas le code? C'est où ça? Ça c'est le... Non, oubliez, c'est moi tranquille avec le comico. Le cadenas est dans la salle de contrôle. Et comment je suis allé à la salle de contrôle? Par le funiculaire. Non. Parce que je sens que quand je vais ouvrir ça, ça me fout de la merde. Ouais, c'est en passant par là-bas que j'ai pu accéder. Sora, je vais faire un détour de ouf. Sora, non, attends, spoil-moi un truc. Si je résous cette énigme, ça m'ouvre cette porte, et si ça m'ouvre cette porte, j'imagine le jeu, il se passe un truc important. Il vaut mieux que j'aille voir le cadenas avant d'ouvrir la porte. On est d'accord.
Oui, ok, merci. Bah, je vais aller chercher le truc avant de venir. Cette porte, tu rejoins là, et j'imagine qu'il y a Bill Cosby qui me fait coucou. Ah tiens. Hop. Oh non, mais ça m'a l'air d'être un bon plan. Donc, pour aller là-bas, il faut que je fasse ça. Je redescends dans les chiottes, et dans les chiottes, je remonte. Ok. Je peux pas remonter par là, ouais, non, parce que le jeu est un jeu d'enfoiré. T'es plus malin avec tes mains. Il la kiffe, Ada, quand même. Lui, elle, je sais pas. Enfin, elle, si, oui, plus tard. Mais lui, il a eu le kiff direct sur elle. Ouais, j'ai perdu des munitions. Cette zone-là, je pense que j'aurais pas pu éviter les cacas dans l'eau. Mais j'aurais pu éviter les zombies, je pense. Certains. Et je pense que les mecs, ils doivent faire ça. Ils doivent pas tuer certains zombies. Boum, tu passes dans une autre zone. Qu'est-ce que tu t'en fous? Ouais, et de là. J'aurais juste à ressauter. Sora, est-ce que tu peux juste me redonner le truc du cadenas, s'il te plaît? C'est SZK, j'ai retenu, mais ça doit pas être ça. Venir les zombies meurent dans l'eau. Non, non, le mien il est tombé, il s'est relevé. Hein. Je vais genre mourir. Ouais, non. Non. Ah, j'ai bien retenu. Non. Oh, le faux espoir. Ah, je les ai tous faits. Juste au-dessus, c'était le cas. Ah, des balles de Magnum, tu m'étonnes. Merci, ma sœur. Oh yeah. Oh yo. Ouais, ça, c'est vrai que ça s'escalade pas, quoi. Attends, c'est-à-dire chaque soirée ça se termine par une birkinade? Ah, donc si je partais de ma logique. De ouf, Sora. Et bah, j'ai pas bon. Ok, recommence. Le tour et la cavalier sont sur le même mur. Cavalier, tour. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour sont l'une en face de l'autre. Ça, c'est un pion. Il doit rester à sa place de pion. Le tour. Ça, c'est le cavalier. Non, pardon, ça, c'est le fou. Ouais. Le fou, il est pas à côté de qui? Le fou et la reine ne sont pas côte à côte, tu vois. Ça, c'est la tour. Mais où est la reine, cette conne? Prise fou. Prise tour. Prise cavalier. Prise pion. J'ai pas la reine. Attends, il me manque des pièces! Genre, il faut 6 pièces, pas 4. Genre, j'ai mal compris. Non. Dis pas la solution, hein. Dis-moi juste s'il me faut 4 pièces ou non. Alors du principe, vous avez les trucs. Knight, knight. Prise pion, bien examiné. Ça m'a l'air d'être un pion. Mais il parle pas du pion. Ah, il y a 5 pièces. J'en ai que 4. Donc j'avais peut-être raison. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre aussi. Donc ça laisse supposer que la tour doit être là. Il faut que la tour soit en face de la reine. Or, le cavalier est là et le pion est là. Le tour et les cavaliers sont sur la même mur.
Voilà. Le fou est là parce qu'il doit pas être à côté de la reine. Et vu que la reine elle est forcément au milieu, donc c'est qu'ils sont pas sur le même mur. Donc il faut que je mette la reine ici. Ok. Ok. Est-ce que t'es en train de me dire que la reine a été là et j'ai pas fait gaffe? Parce que je vois que cette salle est toujours rouge. Ça c'est pour la cassette. Je vais rigoler si la reine a été là et j'ai pas fait gaffe là. Non. Où est la reine? Dans la seule salle qui doit être rouge donc. Mais elle est pas là. Non, elle est pas là. Ça, je peux pas y accéder. J'y accède plus tard quand j'ouvre la route. Ça, c'est bleu. Et ça. Et salle de pause. Mais j'ai pas la clé pour aller à la salle de pause. Et merde. Merde, merde, merde. Salle d'injection de l'eau, ça me demandait la clé. Sortir au niveau du bassin de traitement. Prenez au fond à droite avec la porte exit en rouge. Ok. Très bien, madame. Non, c'était pas toi. Non, c'était toi. C'était le fou. C'était le fou que j'avais qui a activé le truc. Back. Brexit sera is back. Ouais, j'ai la clé des égouts. Merde, je l'ai depuis tout à l'heure, mais je suis... Oh, sors mon cerveau. Sors mon cerveau, et fatigué. Sors mon cerveau. Sors mon cerveau, il est rincé. Sors mon cerveau. Mais putain, j'ai la putain de clé. Oh non. Tu peux le dire, ma sœur, tu peux le dire. J'ai un putain de clé depuis tout à l'heure. Je l'ai ramassé. Souviens-toi, j'avais peur même. J'étais en mode, ouais, le bruit qu'il y a eu, c'est mort, je serais jamais allé voir ce qu'il y a. Putain. Et quand j'ai cliqué sur le truc, j'ai pas pensé. Ah ouais, le croco est bien choisi. Voilà, ça je pourrais le réactiver parce que j'ai deux salles à vérifier maintenant. Ah là là, bah là tu peux le dire. Ah ouais non, mon cerveau il est fou. Flyer pour festival de jazz. F Z F A Z S Z F. Non, 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 non. Ça m'amène où ça? En enfer. Ça me ramène au commissariat, c'est ça? Je veux même pas y aller. Je vais aller voir l'autre salle d'abord. Sors mon cerveau. Sors mon cerveau. Et fatigué. Sors mon cerveau.
Ah ouais, si c'est genre, on dit du crack, hein. Mais beaucoup. Ouais, non, le peupon, parce que j'en ai pas, voilà. Hein? Il n'y a pas de clé ici. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre l'ascenseur. Dieu m'a puni. Ophélie Winter, elle chantait Dieu m'a donné la foi, moi Dieu il m'a puni. Pour mes péchés. Ouais non. Enfant du soleil. Est-ce que mon poteau il est de retour? Un bordel le Serakun. Ah ouais non, t'as envie de pisser, c'est fini. Chaque fois j'ai l'impression de voir une herbe rouge. Un bordel, ouais tu dois aller au Comico Jackson. Mais je travaille à l'hôpital, ouais je sais, mais tu dois aller à l'infirmerie. Ok, ça c'était la porte de la série. Soir, est-ce que Mister X il sera là? Dis-moi qu'il sera pas là. Dis-moi, genre il allait faire un foot. Il allait rendre visite à Madame X. Ils se sont amusés. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner ça? Est-ce que je devrais pas chercher la reine et me barrer ici? Là, je peux retourner aussi à la salle de save et débloquer la porte pour pouvoir retourner au commissariat. Qu'est-ce que ça signifie, Sora? Putain, je suis où? Putain, je suis où? Non, non, vas-y, je vais faire le truc du Comico. Mais j'ai envie de... Mais j'ai plus la manivelle sur moi. Ah si, la manivelle hantée, j'espère. Sora, j'espère que je vais pas me faire tuer. Sora, je sais pas où je suis en train d'aller. Sora, je crois que je vais me faire flinguer. Sora, la lumière vient de baisser. Sora, je suis dans la salle secrète. Sora, j'ai utilisé trop de fois le mot de Sora. Ok. Bon, c'est-à-dire maintenant, là où je suis, Mister T peut réapparaître. Ah ouais. Et de retour au Comico. Oh, il y a le cadavre de Marvin qui me regarde. Ah non, je suis obligé de l'avoir encore. Intéressant. Par contre, la clé, je vais la déposer. Je vais la baisser, parce que sinon. Est-ce que Mister T est loin ou non? Je vais en être là. Les archives, la salle de conf. Où ça que je rate? Bibliothèque devait avoir un truc. Devant l'entrée du passage secret. Je l'ai pas tué! Ada l'a semé! Ah, Marvin, oui. Ah, j'ai tué le zombie, mais ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Là, c'est-à-dire Mister T, il peut venir. Oh, merci de m'avoir débloqué la route, man. Je vais prendre l'ascenseur. Et j'arrive. C'était ça l'entrée? Ok, ça c'est fait, Soso. Ah, Marvin, ça tue. Allez, j'en ferai peut-être un clip alors. Où est la reine? Le film qui a bouleversé l'Amérique.
Je pourrais aller là, mais il n'y a rien ici, ça je comprends pas. Bon, ah, comme ça. Il y avait un truc, j'avais dit merde hier ou l'autre jour, je sais plus, j'étais trop mort de rire. Là, je pense que je dois reprendre. Ok, j'en ai plus besoin, mais c'était au cas où. Non, j'ai raté une sortie. Si je suis revenu ici, c'est qu'il doit y avoir la reine ici, non? Attends, t'es sérieuse? Ça a rien à voir avec ce que je fais là? C'est-à-dire tout ça, j'aurais pu ne pas le faire. Non, c'est bien que je l'ai fait, je te rassure. Mais genre, j'aurais pu être dans une autre timeline. Ah non, il fallait que je passe par là, c'est ça. Ah non, je peux pas descendre. J'ai été puni. Ah ouais, c'est là où je l'ai combattu la première fois. Ce qui rend logique le truc. Ça va pour toi si Birkin et Mr. T se battent, qui gagne? En vrai, j'aurais tendance, même si j'aime beaucoup les Tyrant, à dire Birkin quoi. Parce que le truc, à chaque fois que tu le mets KO. Non, 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 ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut toujours le coup. Mais je voulais dire en fait, j'aurais. C'était un truc optionnel. Je pensais vraiment qu'il y avait la pièce par là en fait. Birkin, ouais, à chaque fois tu le tues. Mais après, un Tyrant de forme 2 aussi, c'est vénère. Hein. Donc là, je dois aller où? Si tu avais pas fait ça, tu aurais pas eu les pièces. Au bout du canal, franchissez le. Oh non, descendez ensuite dans les eaux usées. Entrez dans la salle de stockage. Entrez dans la salle de stockage. What is the fuck? What is the fuck? Le contrôle du virus. Sora, je dois descendre dans les eaux usées, mais je ne sais pas où je dois passer. Sora, ce mec, je crois qu'il va se réveiller. Dieu merci, il est immunisé. Canal inférieur secondaire. Oh putain! Ah, c'est un zombie. Ah, c'est que je suis pas venu là! Dans ce cas-là, autant vous laisser, peut-être, non? Faire une économie. Ouais, parce que non, bah non. Canal inférieur, il est dans cette direction. Peut-être les laisser. Non, c'est un cul-de-sac. Ok. Un peu plus haut. Ouais, un peu plus haut, ça fait des headshots qui tuent. Intéressant. Donc en fait, je leur tire dans la tête, mais c'était pas suffisamment en hauteur pour que ça soit un headshot. Fascinant, non? Sans jamais au point. Ouais. C'est un truc que j'ai toujours aimé, c'est que tu sais, enfin, quoique Wesker il s'émerdait bien quand même à la fin, mais à chaque fois qu'ils ont voulu contrôler le virus, tu sais, le virus est parti en couille de lui-même, quoi. Oh merde. Ok, c'est que je suis sur une bonne route. Ouais, peut-être que je vise pas assez le cerveau. Tiens, tiens, tiens. Ouais. Ça me ramène dans l'autre sol. Oui, allez, monte, monte. Oui. 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 Là, je suis où là? Là, je repars là-bas, moi.
D'accord, ça m'a ouvert un passage peut-être. Voilà. Tu vois, il meurt pas. Il fait. En vrai, il devrait gargouiller et mourir. Même s'il respire pas, tu me diras. Meurt un peu, non? 7 balles? C'est une. Putain de merde! Bon, après, des fois, elle miss aussi. Là, il est mort. Là, il est mort. Ok. Je devais faire quoi? Je dois aller à une salle de stockage que je ne trouve pas. Ah non, canal infirmière secondaire. Il est là! Oui, oh mon dieu! Sora, je t'ai déjà dit que je vais à ce jeu. Alors là, c'est sûr qu'il y a un G-Boy. Oh mon dieu! D'accord. C'était quoi ça? Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Bon, au moins il est mort, tu me diras. Mais quand même. Oh bon sang. C'est de pire en pire. De ouf, ça. Par contre, intéressant, ils ont l'air de les tuer. Ouais, en fait, là, putain, c'est-à-dire, il y a au minimum 3 trucs énormes qui sont nés ici. On appelle ça un bibi Birkin au pire. Même si c'est pas vraiment un bibi. Mais c'est birkinesque. Un bibi Birkin, un bibi Birkin. Il va me choper le fiac. Bâtard, j'avais rien d'équipé ou quoi? Ah, t'as déjà l'œil toi, d'accord. Genre j'ai été touché? Non, la vague. C'est un autre bibi Birkin pas là. Rends-moi ça s'il te plaît. Oh, et équipe ça aussi. En vrai non, non, attends. Hop. Là, hop. Allez, attends, un deuxième. Hop. Voilà. On rééquipe ça. Prends des dégâts avec une vague, mais souvenir. Sora. Yen et c'est pas. Il est pas mort. Je vois même plus tomber, gros. Ok. Je suis obligé d'utiliser le Magnum, c'est vraiment la merde. Mais bon, j'ai mis 203. Sora, même si t'es un bibi Birkin tout beau, j'en aurais rien à. N'aurais rien à birkiner. Mais genre j'ai des dégâts là? Non il est ok. Maintenant dans ton œil. Ça aide pas qu'il soit moche. Ah de ouf. Si ça aide à tuer, parce que imagine ça aurait été mignon, t'aurais fait non je peux pas tuer. Imagine ça aurait été un petit bibi genre. Mais je peux pas tuer un petit bibi tu vois. T'aurais été non, ça se fait hop. Moi je tue pas les petits bibis. Obligé, j'ai dû rater un truc pour la place. Parce que j'ai vraiment pas envie d'y revenir. À Chiasland là. Là déjà, c'est obligé, je meurs du sida hein, normalement. Non, tu peux pas monter là. Quand même. Non, je veux pas redescendre.
Alors, je sais pas ce que j'ai raté. Même où il doit avoir une faille. On est vraiment dans Alien par contre, hein. Ça sort comme dans Alien, les aliens ils font des trucs comme ça. Des noms, pardon. La porte elle marche par contre, hein. Putain, j'ai que le magnum, ce qui va être des pertes de balles. Quoique, toujours si c'est un petit zombie de merde. Ah tiens, tiens. J'ai dû rater au début peut-être du canal. Ça pue. Ça pue, je vais devoir semer quelqu'un. Un zombie. Du coup une balle. Balle de peupon, on sait jamais, il y a un monde où. Il y a un monde où la balle de peupon lui fait du miracle. Ouais, c'est les deux grenades, ça aurait dû en tuer un au moins. J'aurais dû garder les pièces avec moi. T'es en train de me dire que je dois repartir chercher le roi? Ah non. Je pars avec une pièce normalement. Zombie va tomber. Zombie va me faire chier. Zombie va crever. Ouais, mais j'ai la pièce du roi en bas. Est-ce qu'il fallait laisser le pion là? Parce que genre le pion est une pièce qui doit être prise et utilisée. Ça m'enferme. Et je peux repartir chercher la reine, c'est ça? Merci Soso. Merci Soso. Merci Soso. Merci Soso. Saute, 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 saute. Vole, tu as des ailes. Non, il reconnaît vraiment les pailles. Ouais, mais attends, examine-les aussi, c'est plus rapide. Voilà. Ok. Oh, ça s'ouvre cette merde. Ah, il faut que je repars avec l'autre chose. Ah, si je fais ça, je vais réussir à me softlock, moi. Non, si. Je peux repartir avec les deux, comme ça, en vrai. Comme ça, je repars par là, et je sors. Ok, mais attends. Le dernier truc au fond, là, il s'ouvre pas? Non, oh, t'inquiète. Là, je vois que je peux partir avec le roi et la reine, si je veux. Ce qui m'intrigue, c'est ça, là-bas. Ouais, vas-y, je te lis, Sora. Il y a une arme. Ouais, non, non, c'est pour ça, je... On va pas partir sans.
Oh là là. Là j'avais pas la prise droit. Mais des fois je me casse là. Sur moi des fois je crois que j'ai pas de cerveau. Un flamme chimique. Ok. On peut le faire. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Réfléchis. Ouais. Meilleure solution, c'est de péter le couteau, je pense. Il va me falloir deux emplacements. Le badge. Mais Sora, j'aime bien les collectionner, Sora. Ouais, en vrai, je balance le badge et le truc. Et ça, tu vois. Je les jette, Sora. Ils seront pas dans mon corps. Je vais me désintégrer. Ah! Pécule, c'est quoi, attends? Pécule, c'était pour un code, sûrement. Mais je pourrais pas l'acheter. Les quatre points d'exclamation, ils m'ont fracassé. Putain, t'imagines les mecs? Je vais aller avoir envie de... Vas-y, manivelle, à jamais dans nos cœurs. De ouf. Je vais avoir envie d'aller pisser et tout. Je vais faire des trucs de dingue comme ça. Il va y avoir un nouveau caca. Je le sens. Tu le sens toi aussi, Sora, le nouveau caca? The new poop. La musique, elle est anxieuse. Voilà, sors. Putain, un petit. Le couteau. Et vite. Alors, roule-toi dans l'eau. Ça crève pas sans mourir. Je vous y vois rien. Il est où mon couteau? Oh non, le couteau à jamais dans nos cœurs. Il a survécu une dernière fois. Il s'est sacrifié. Couteau, non! Il est mort pour nos péchés, Sora. Ne l'oublie jamais. Je sais plus par où aller carrément. On peut pas se lever, c'est quand même de ouf. Non, ça me prend du temps. Je... Par là. Oui, ça m'a ramené au bassin de traitement. Life is not Daijobu, Sora. Ne l'oublie jamais. Ouais, si je remonte par là, je crois que ça m'amène, je sais plus où. Eh, je sais plus où j'en suis.
J'avais pas esquivé deux zombies, non. Sora, je suis perdu. Sora, je suis perdu. Là, il y a soldat mort. Ouais. Et là, c'est là où il y a la monte-charge qui m'amène au niveau de l'autre truc. Bon, c'est un détour. Mais que veux-tu? Life is not usable. Le problème, c'est que j'ai pas assez de mumu, je crois, maintenant. Ça m'amène dans la merde, ça. Ramène-moi en haut. Qu'est-ce que tu veux que je foute là, mon pote? Non, mais si, justement, il faut que je fasse le truc où j'utilise pas les plombs. Oh là là. Sora, je pète les plombs. Sora, je pète les plombs. L'ascenseur me ramène à Raccoon. L'ascenseur me ramène à Raccoon. Il court, le Simbad perdu dans les égouts. Je suis dans le caca. C'est pas d'où je viens, ça. Ouais, ça doit être par là, je pense. Je dis ça pour me rassurer, mais... Long escalier. Ils auraient pu être des panneaux cadeaux. Ouf. Le mec qui taffe, c'est mort. Ok. Ouais, c'est là où je saute bim bum et après j'arrive. Tout à l'heure, je savais, mais tout le passage dans le Piti Bibi Birkin Land, il m'a déboussolé. Non, monte. Je sais, il est déboussolé. Imagine, il est mort le stagiaire. Et c'est fini. Attends, elle est morte, dis quoi là. Ouais, tu es manivelle et couteau dans nos cœurs. Mon dieu. Ouais, j'en ai pas besoin pour le moment, tu me diras. Ok. Est-ce qu'il fait 1, 2, 3, 4, ouais, ça me fait les emplacements. D'accord. Semble que la tour et le cavalier sont sur le même mur. Que la reine et la tour. Voilà, que la reine et le fou ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient en face l'un de l'autre. Le fou ne pouvant être à côté, devait se trouver à côté de la tour. Tandis que le roi était à côté de sa reine. Oh! Ça se tenait. En fait, comment tu trouves? J'y suis presque là. Tu sais que le pion et le cavalier sont là. Ce qui veut dire que la tour et la reine, s'ils sont face à l'un de l'autre, la reine, elle est forcément en face de la tour. Sauf que lui dit que le cavalier et la tour sont sur le même mur. Donc eux, ils sont là. Et la reine, elle est là, et le cavalier est là. Puisque le fou ne peut pas être à côté de la reine, il peut être que en face, donc le roi est là. Safe. Ah ouais, non. Par contre, est-ce que j'ai assez pour affronter Monsieur Birkin? Je ne pense pas. Monsieur Birkin! Birkin, on veut juste excuser, même pas Birkin, monsieur Birkin. La preuve que je suis pas si blessé que ça, c'est que j'ai beaucoup de heal. Mais là, je me suis peut-être attiré l'œil et je vais tout craquer.
Monsieur Birkin, je viens juste éclairer notre situation avec ce lance-flamme. Oh. Ok, on va garder parce que peut-être je vais être dans la merdasse. Monsieur Birkin. Attends. Non, n'ouvre pas. Fouille d'abord, mon ref. Ça, c'est les salles où il y a peut-être genre plein de mumu avant le combat, non? Ouais, ça c'est les salles. Refais-toi. Ok. On va se refaire une petite santé, mon ref. On va mettre l'électricité, donc j'étais obligé de revenir là. Ah, et peut-être ça va s'ouvrir et monsieur Birkin il apparaît. Je vais me chercher un deuxième heal. Monsieur Birkin est demandé à l'accueil. Skoda Octavia, la gare est devant, c'est la vôtre? Vous roulez en Opéra Vectra, monsieur? Vous voudrez parler de votre fille, elle a des mauvaises notes à l'école et... Elle se plaint qu'il y a un mec qui a un œil qui dit « chérie, chérie » et qui arrête pas de la suivre. Monsieur Birkin, c'est le Raccoon Police Department. Garez-vous sur le bas-côté. La petite du véhicule. Ah oui, utilise son cerveau aussi. C'est du pif. Ok. Monsieur Birkin. Vous voilà. Oh putain, je vais mourir. Attends, quoi? On peut sortir par nulle part. Le bâtard. Il veut pécho mon crâne. Je peux passer? Non. Monsieur Birkin, vous m'avez coupé la main. Je suis ok déjà, tu vois. Monsieur Birkin. J'ai avancé bêtement au pire moment. Là, je vais mourir. On s'est l'attaqué déjà. Ah. Oui. Merci. Oui, encore un peu. Brûle, brûle, Babylone, brûle, 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 Babylone, brûle. Merde, pas toi, Chris. Ouh, je suis mort. C'est pas Chris. Ouh! Il m'a mis un combo. Merci de m'avoir ouvert la route, monsieur. Il est encore vivant? Non, bah d'après. C'est qui ça? Ah, il court. Oh le bâtard! Sora, je dois me battre ou fuir? Parce que ça a l'air d'être quand même une zone genre cours frérot et t'arrêtes pas. Avance capitaine, ok merci. Moi j'ai une tape hein. Non, plus vite non? Héros. Je suis mort. Ouh! Heureusement que j'ai le shield là. Ah ouais, le shield il me défend pas tant que ça. Ok, merci d'avoir enlevé le truc. Oh mais merde. Je vais mourir sans. Ah, je dois l'affaiblir et lui mettre le conteneur dans le fiac. Cette fois, je te tiens. Non, bouge pas. J'ai appuyé trop tôt, je crois. Oups, j'ai plus trop avancé. Eh, il est mort, pas actuellement. Thank you.
Il y en a qu'un mort, monsieur Birkin. C'est pas possible. Monsieur Birkin ? Monsieur Birkin ? Non, avancez un peu plus, merde. Non, prenez ma place. Monsieur Birkin, je vous en prie. Le siège est plein. Voilà, vous m'avez arraché ma race, monsieur Birkin. Je comprends pourquoi. Chérie, elle tient ça de son père, j'imagine. Cette fois, je te tiens. Voilà. Voilà. Oh là, c'est pas la fin. Ah ouais, il l'a regardé en mode c'est beau. Mais monsieur Birkin, qu'est-ce que... T'es de ma gueule, monsieur Birkin ? Sora, comment ça se fait, ça l'a pas fait en un coup ? Ah, j'ai compris. Il était trop... Non, j'ai pas compris. J'aurais dû prendre plus de heal. Adieu. Monsieur Birkin, vous avez deux têtes. C'est madame Birkin, c'est ça ? T'es trop loin du fossé. Ah genre fallait que je le... D'accord. Je pensais, et plus il était proche, plus il se prenait l'impact trop fort. Je suis sûr j'aurais pu le faire en un succès. Ouais, tu vois. Ouais mais j'ai pas enlevé le truc moi aussi. J'aurais pas le temps. Monsieur Birkin, on reprend son souffle. Voilà. L'accouchement va bien se passer, rassurez-vous. Voilà, brûle un peu, voilà mon ref. C'est bien hein. Non je te préfère quand t'es bronzé. Oh non, monsieur Birkin, vous nous faites quoi là? Relevez-vous! Attends. Je pense que je peux le faire. Déjà, je vais prendre un troisième heal avec moi. Ah, j'ai pas save. Ouais, je vais en trouver dans la route là. Attends, on va voir. Non, c'est ouvert. Ouais, je sais plus. Ouais, je vais essayer d'un coup. Je vais essayer d'un coup. Parce que pour moi, ça passait d'un coup. En fait, je pensais à tort que si je le laissais. Comment dire? Je pensais qu'en fait, si je le mettais bien, on va dire à droite. Et toi, d'après ce que j'ai compris, il faut que je le mette à gauche. Si je le mettais à droite, je pensais qu'il se prenait vraiment le conteneur de points flés, de points. De plein fouet et qu'en gros il meurt tu vois et c'est passé d'un coup sur Léon. Ah ça va ça là, là ils m'ont pas donné de succès les connards hein. Ouais, et je pensais que ça passait de plein fouet genre mais là en fait si je le mets de l'autre côté il y a moyen. Là, il faut que je l'évite genre 10 fois. Est-ce qu'on peut sauter? Non. Ok, donc là, j'ai pas envie que tu pètes les tonneaux. Donc si je me mets plus par là, il y aura pas le feu. Non, parce que tu fais première fois. Ouais, non, ça met le feu de tout quoi qui se passe, d'accord. Monsieur Birkin ? Monsieur Birkin ? Monsieur Birkin ? Peut-être que si je répète plein de fois, monsieur Birkin ? Monsieur Birkin ? Monsieur Birkin, venez ouvrir la porte. Monsieur Birkin ? Venez ouvrir la porte, s'il vous plaît. Monsieur Birkin ? Cinquième. Je crois qu'il en fait 5, hein. J'ai pas compté exactement. Monsieur Birkin. 6. Non, ça y est. Monsieur Birkin, brûlez un peu. Babylone, elle brûle. Monsieur Birkin, c'est pas bien quand Babylone brûle. Lui il a un don pour se poser des questions des fois, il me fatigue aussi. Donc en gros, là où je tombe, c'est là où je dois le mettre. Genre si par exemple il est là, c'est bon. Ok.
Monsieur Birkin. Ouh, monsieur Birkin, c'était ma jambe, ça. Monsieur Birkin, vous pouvez venir par ici. Voilà. C'est pas Dave Lebou, ça, monsieur Birkin. Ah, tu m'as kiblo, bien joué. Là, normalement, c'est bon. Cette fois, je te tiens. Encore vivant ? Non, non, c'est une majolante douce. Là, il a essayé sur le déco, quoi. C'est comme ça que je l'ai compris. Parce que moi, tout à l'heure, il était là où je vise. Il était pas là. Mais tu triches ! Mais comment ça, ça marche en une fois ? Mais tu mens ! Monsieur Birkin, vous trichez ? Monsieur Birkin, j'ai un bouclier. C'est quoi, attends, tu veux qu'on se la donne? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oups, c'était pas ça que je voulais utiliser. Ouais. Viens là, sale schlag. Ah. Ouh, il y avait un truc à loot. Tu vas voir. Voilà, ça va faire deux, j'imagine, faut le faire en trois fois. Il fallait vraiment que je le mets bien sur le déco, quoi. Ouais, revient aujourd'hui le cargo. Hein. Non, 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 attends. Capitaine, oui. Oui, oui, ça. Oui, mon fils. Je suis Keblo. Tue-moi parce qu'on est Keblo. Merci. Là, je peux pas faire plus proche, moi. Non, Sora, c'est un effet visuel. T'as l'impression, mais en fait, c'est. Si tu revois la partie de tout à l'heure, t'es dans le passé encore. Il y a le délai. C'est triste. Hein. C'est le délai, le foutu délai. Je viens de comprendre comment on fait sauvegarde auto. Ouais, ça doit être ça, ouais. Sora, j'ai compris. Je dois pas l'appeler quand il est à terre. Je dois l'appeler avant qu'il soit à terre. Je viens de comprendre, Sora. En fait, faut jouer avec le feu. Excellent job. Vas-y, tape-moi, mon ref. Merci. Voilà, là je l'appelle. Là je reviens. Je suis là. Je suis là, monsieur Birkin. Monsieur Birkin. Au revoir, monsieur Birkin. Non, c'est vrai, vous êtes pas à terre. Non, non. Je refuse. Monsieur Birkin, t'as pas eu le temps de te mettre à terre, merde. Monsieur Birkin, je l'aurai ce succès. Monsieur Birkin, la soirée va être très longue, monsieur Birkin. Cette vidéo, je vais l'appeler monsieur Birkin. On dirait pas un débat d'homme politique, Sora, le jeu refuse. Non. Monsieur Birkin, c'est de la démagogie. C'est on dirait le débat, genre, du second tour entre deux candidats à la présidentielle. Non, monsieur Birkin, je refuse. On peut pas laisser le débat s'enflammer ainsi, monsieur Birkin.
Je vais manger le conteneur, adieu. Oh le bâtard, allez, on va mourir ensemble. Monsieur Birkin, aucun de nous ne sera élu. Je crois que j'ai fait toutes les morts possibles dans ce combat. Monsieur Birkin, si je ne serai pas président, alors vous non plus. Ça c'est du débat présidentiel. C'était beau, hein. Ah ouais, non. C'est genre, tu sais, dans les films, le mec fait « Puisque c'est ça, on va mourir ensemble. » Monsieur Birkin. Monsieur Birkin, il faut que vous veniez me taper là. Ensuite, je vous tire dessus. Voilà, j'esquive. Là, il faut que j'appuie et je te tire dessus. Là, il faut que je te mets genre tout. Non, Monsieur Birkin. Monsieur Birkin. Ce n'est pas très Coubertin. À terre. Oh, c'est une dingue. Sora, regarde bien l'heure qu'il est. Sora, je repars pas sans le succès. Sora, prépare-toi pour une nuit blanche. Non, je pense que je bats le mec et après je sauvegarde et je vais dormir. Mais est-ce que je vais réussir à le battre? Mon ref dort un peu. Mon ref dort un peu d'eau. Ah, ça va pas marcher le deuxième trop tôt. Mon ref 2 un peu 3. Voilà. Attends un peu. Tiens, avant de sauter, on dirait qu'il y avait un truc à loot. Je l'ai peut-être raté. J'ai vu des cartouches. Là. Mon ref, là, t'es à terre. Là, tu pars. Est-ce que t'as passé à côté du fossé? Ah ouais, non, faut ça. Ça veut dire qu'il faut que je le mette vers le fossé comme. Oh là là. Monsieur Birkin, vous êtes un adversaire tenace. Ouais, c'est ça, hein. Il faut l'avoir bien effet régulier pour qu'il tombe. Ah, attends, Sora. Peut-être qu'il faut que je le mette plusieurs fois à terre et ensuite j'utilise le conteneur. Je vais le mettre trois fois à terre cette fois-ci. Monsieur Birkin? Monsieur Birkin, ce n'est pas très républicain. Ok, une fois à terre. Tu vois, en haut des escaliers, j'ai un truc, je crois. Non, c'est juste le bas. Birkin a été mis une fois à terre. On va le mettre à la troisième fois, j'invoque le truc. Adieu. Monsieur Birkin. Voilà, beau joli. Et là, par exemple, je l'aurais bien mis le conteneur. Son œil devient rouge. Bien vu, ça doit être ça. En fait, c'est genre, en fait, il a toujours la tête pas, quoi. Là, tu vas te relever bientôt. Je peux utiliser la grue. Ah ouais, c'est carrément le jeu. Je peux utiliser la grue. Non, faut qu'on revienne. Non, t'es trop proche, mon ref. T'es trop proche, viens. Monsieur Birkin. Et là, ouais, non, je voulais pas le faire 4 fois. Bah, son œil est titiqué là, je le sens. Alors là, cette fois, je te tiens. Si je te tiens pas là, là, si t'es pas au bon endroit. Et ouais, mais je vise mal, Sora. Si t'es pas au bon. Non, tu vas te relever à temps, sale schlag. Et t'es trop lent. Ah, tu le vois venir? Ah ouais, succès, vaincre en utilisant la grue qu'une seule fois. Monsieur Birkin, vous avez perdu le second tour. Alors, rendez-vous dans 5 ans, monsieur Birkin. Non, il n'y a pas de troisième tour, monsieur Birkin. Ah, si, c'est ça.
Alors, on fait moins le malin, monsieur Birkin. J'espère que c'est fini cette fois. Oh, le chemin. Merci, Soso. Oh, j'ai oublié des trucs. J'ai tellement refait que je fais... Ouais, tu vois. Mec, ils t'ont laissé 15 balles, c'est en mode... Ouais... Monsieur Birkin, 15 balles, ça passe. Mais mort était belle. Ah non, surtout la mort où on est tombés tous les deux. Elle était pas excellente carrément. Ça c'était The Muerte. Est-ce que je peux aller save? Super. Ça c'était la belle mort. Pas de vin, tu pourras avec moi. De ouf ça. Double chaos. Eh bien les amis, je vous dis une bonne nuit, je vous dis à demain pour la suite des aventures de Léon et de Monsieur Birkin. J'espère que cela vous aura plu. Et n'oubliez pas, on peut tout résoudre dans la vie avec un bon porte-conteneur. Et... C'est tout. C'était la leçon à retenir pour ce soir. Ce soir, je crois que je vais rajouter 2-3 citations là. Je vais rajouter si je peux pas te vaincre, tu mourras avec moi. Je mettrai Léon et Monsieur Birkin durant le second tour à la présidentielle de Raccoon City. Et le jeu refuse peut-être.